les défrisés. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage simple, classique, mais efficace avec Laura Sims. Donc, je commence par les yeux. Donc, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de simple. Je mets deux fards à paupières. Et vous avez remarqué que je n'ai pas eu besoin de mettre de base. Ils sont vraiment pigmentés, donc ça me suffit largement pour le rendu que je veux avoir. On le voit suffisamment sur mes yeux, c'est parfait. Ça a une bonne tenue dans la journée, donc je suis contente. Donc ma peau est nettoyée, propre et hydratée. Maintenant, on passe à la base matifiante. Donc elle est anti-brillance, c'est pour ne pas que ma peau brille, puisque j'ai une peau mixte à grasse. Si je ne mets pas de base matifiante, je brille très rapidement. Donc pour éviter ça, on met une base matifiante, les filles. C'est important. On continue avec le fond de teint. Donc c'est un fond de teint unifiant liquide longue tenue que je mets avec l'éponge. Aujourd'hui c'est une beauty blender, mais je peux la mettre aussi avec un pinceau, ça dépend de mon envie. Voilà, là aujourd'hui j'ai fait avec l'éponge. Vous voyez comment c'est couvrant, vous voyez comment on ne voit plus mes taches assez rapidement. Et je trouve qu'il a quand même un fini naturel, ça ne fait pas plâtre, ça ne fait pas paquet. On n'a pas l'impression que j'ai mis des couches sur moi. C'est ce que j'aime. J'aime bien ce rendu-là. Il est agréable, je ne sens pas du tout le fond de teint sur mon visage. Donc c'est un fond de teint que j'aime bien. Alors, je tamponne avec la Beauty Blender. C'est ça avec les éponges. Il faut tamponner pour qu'on ne voit aucune démarcation et pour que ça ait un fini naturel. Donc je vous l'ai mis en accéléré. Mais c'est la partie la plus longue en fait, c'est ça. C'est tamponner. Ensuite, pour enlever l'excédent, je prends une autre partie de l'éponge et je tamponne à nouveau pour enlever l'excédent. Voilà, là, ça me plaît beaucoup mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les filles? Qu'est-ce qu'on fait? On poudre. Donc là, on utilise la poudre Sublime Powder. Et on en met légèrement, comme vous pouvez voir. On tamponne partout. Là, ça va très vite. Puisque c'est vraiment très peu qu'il faut mettre. Et c'est fini pour le teint. Maintenant, on passe au blush. Donc, cette fois-ci, je mets un orange aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, ça se voit pas tant que ça. Regardez, c'est pas quelque chose de flagrant. Voilà, j'aime bien. Je trouve que c'est discret. C'est un maquillage de journée, par exemple, pour aller bosser, pour aller dans une réunion ou un truc comme ça. Maintenant, le eyeliner. Alors, l'embout du eyeliner est assez épais. Donc, avec ce eyeliner-là, je ne peux faire que des traits assez épais. Donc, voilà comment ça fait. Moi, j'aime bien. Comment vous trouvez? Et on va mettre un petit rouge à lèvres, un petit peu nude, mais pas trop. C'est-à-dire pas quelque chose de flashy, puisqu'on a dit que c'était un maquillage de tous les jours pour aller bosser ou quelque chose comme ça. Donc on met un petit marron, mais qui brille un petit peu. Donc il est mat, mais pas extrêmement mat. C'est vraiment hydratant, mais c'est pas quelque chose de glossy. Vous voyez qu'il brille, mais pas trop, ça va. Maintenant avec un fard à paupières, bon, j'illumine un petit peu le centre de mes yeux. Et on passe au mascara. Donc le mascara est bien, rien à dire. Et j'ai terminé. Ah non, j'ai oublié. Un petit peu de lumière sous les sourcils, c'est mieux comme ça, non? Comment vous trouvez le maquillage? Ça, c'était un maquillage Laura Sims. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et à bientôt.